Nous avons vécu depuis 4 ans, chers téléspectateurs, au rythme des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Alors nous arrivons à la fin de ce cycle, puisque 2018 verra le centenaire de l'armistice du 11 novembre. 2018, ce fut aussi l'année de la victoire pour les forces de l'Entente. Et c'est sur cet épisode, sur cette séquence-là du conflit mondial, que je me propose de m'arrêter aujourd'hui. Alors, 1918, la victoire, elle est déjà inscrite dans une certaine mesure dans les événements de l'année précédente. Deux événements majeurs, l'intervention américaine, bien sûr, dans le conflit. Celle-ci n'aura d'effet militaire significatif que l'année suivante, en 1918, mais plus le conflit durera, s'éternisera, plus la balance des forces penchera en faveur de l'Entente. Et puis il y a un autre événement majeur, évidemment, c'est la révolution russe, ou les deux révolutions russes, mais surtout la révolution bolchevique d'octobre, qui débouche presque immédiatement sur la fin de la guerre sur le front de l'Est, ce qui va libérer des forces allemandes en quantité, en mesure peut-être d'emporter la décision à l'ouest. Hein, en mars 1918, le traité de Brest-Litovsk est conclu avec la Russie. Quelques jours plus tard, des préliminaires de paix sont conclus avec la Roumanie. L'affaire est entendue, les centraux ont gagné la guerre à l'est et ils vont, dès décembre 1917, l'armistice de Brest-Litovsk est du 3 décembre, ils vont dès le début décembre, commencer des transferts de troupes massifs en direction du front de l'Ouest, où ils entendent bien fournir un effort majeur pour emporter la décision. Alors, c'est évidemment très inquiétant pour les pays de l'Entente, mais les Allemands doivent faire vite, car le temps est mesuré, car au fur et à mesure que les délais s'allongent, eh bien, les Américains vont arriver toujours plus nombreux, ils seront plus de 2 millions en Europe à la fin de 1918, et là, les centraux ne seront pas en mesure de disposer de ressources humaines suffisantes pour relever le défi. Il faut donc, pour les patrons de l'armée allemande, Hindenburg et Ludendorff, il faut en finir au printemps de 1918. Les choses se présentent pour eux au départ plutôt bien. Ils disposent de 192 divisions d'infanterie désormais sur le front ouest, avec 500 batteries d'artillerie. Hein, ils espèrent obtenir la rupture du front, relancer la guerre de mouvement, marquer des points décisifs et être en mesure de dicter la paix aux puissances de l'Entente. Des problèmes cependant, l'Allemagne n'a pas joué la carte des chars, les échecs qui ont été constatés en 1917 du côté de l'Entente, notamment au chemin des Dames, ont découragé l'état-major allemand de donner la priorité à ces nouveaux matériels. Ça va évidemment peser lourd à l'été de 1918. D'autre part, la guerre est devenue de plus en plus une guerre fondée sur la motorisation des matériels, des véhicules. Or, l'Allemagne ne dispose pas du caoutchouc nécessaire pour les pneumatiques et l'Allemagne a des gros problèmes pour disposer du carburant indispensable à une guerre de mouvement et à l'exploitation à grande échelle d'une éventuelle percée. Alors les choses au départ vont bien se passer pour les généraux allemands. Pendant 2 mois et demi, ils vont accumuler les succès, mais en fait, ils ne vont pas obtenir pour autant la décision. Tout commence le 21 mars 1918. Le grand quartier général allemand lance à l'assaut 65 divisions en Picardie, à la charnière des fronts anglais et français, sur la direction Saint-Quentin-Amiens. Le choix est judicieux. Ludendorff a bien vu qu'il y aurait une circonstance à exploiter. Les commandants en chef des deux armées alliées, Douglas Haig pour les Anglais, Pétain pour les Français, évidemment vont avoir des priorités différentes. Le maintien de la liaison entre les deux armées ne sera pas pour eux une exigence immédiate. Douglas Haig voudra protéger les ports du Pas-de-Calais, de la mer du Nord, pour assurer un éventuel réembarquement et maintenir la liaison avec les îles britanniques et les renforcements qui peuvent en venir. Quant à Pétain, il voudra en priorité couvrir Paris. Le maintien du lien entre les deux armées alliées est donc présenté comme un
objectif secondaire. Alors, il apparaît que la situation de ce fait devient extrêmement dangereuse, d'autant que l'offensive allemande a eu un bilan assez lourd pour les Alliés, près de 90 000 prisonniers, une avancée d'une soixantaine de kilomètres. Il faut réagir, y compris au niveau des politiques, et la conférence de Doullens, qui se tient le 26 mars, va demander au général Foch de coordonner l'action des armées alliées sur le front ouest. C'est le début du commandement unique qui va s'imposer au cours des mois suivants. Foch exige tout d'abord le maintien de la liaison entre les deux armées françaises et anglaises et commande d'installer un front défensif solide devant Amiens. Pétain va mettre à la disposition des Anglais dans cette circonstance des réserves nécessaires pour stopper l'avance allemande, pour donner un coup d'arrêt au premier grand coup de boutoir allemand à l'ouest. Mais les Allemands vont lancer presque immédiatement un nouvel effort, puisque le 9 avril, avec une trentaine de divisions, eh bien, ils s'en prennent aux Anglais sur le front des Flandres, sur la direction Armentières-Labassée. Ils vont choisir l'endroit du front qui est tenu par des divisions portugaises. Le Portugal est l'allié de l'Entente depuis 2 ans. Et effectivement, le front allié, là, va voler en éclats. Et les Allemands vont s'emparer du Mont Kemmel et menacer, en situation de menacer en tout cas directement la côte flamande. Là encore, les réserves françaises engagées sur les arrières du front anglais vont permettre de contenir la poussée. Mais Ludendorff sait qu'il faut répéter la manœuvre presque immédiatement, parce qu'il sait que le temps travaille contre lui, hein, et il ne peut pas se permettre de jouer la montre, d'attendre. Et il va lancer dès la fin du mois de mai un troisième effort de grande ampleur sur le chemin des Dames, qui avait été le théâtre de la fameuse bataille qui avait eu lieu l'année précédente, on le sait, qui avait abouti à l'échec sanglant attribué au général Nivelle. Et bien là, sur un front qui va de Lafaux jusqu'à Craonne, sur près de 50 km, 30 divisions allemandes, appuyées par 150 batteries d'artillerie, se lancent à l'attaque contre 9 divisions françaises qui sont considérées comme au repos, car la surprise va être totale. On ne s'attendait pas à un effort allemand dans ce secteur. En un premier bond, les Allemands arrivent sur l'Aisne, puis ils vont pousser même plus loin, jusqu'à la Marne. L'ordre de poursuite est donné jusqu'à la Marne, en direction de Dormance, de Château-Thierry, qui est atteinte dès le 31 mai. Heureusement, deux môles de résistance tiennent, à l'ouest le Soissonnais, la montagne de Reims à l'est, mais les Allemands, là encore, ont marqué des points décisif. Ludendorff arrête l'offensive au début du mois de juin. En fait, son intention finale, c'est de donner le coup de grâce aux forces alliées en Flandre, car il est convaincu que la capacité de résistance des Anglais sera moindre que celle d'une armée française qui se bat sur son sol et qui veut en priorité défendre Paris. Donc on va, avant de lancer ce dernier effort en Flandre, reprendre l'action en Champagne, car le front allemand constitue une hernie dangereuse qui pourrait être propice à des contre-attaques françaises. Les Allemands vont préparer méthodiquement leur affaire. Ludendorff est très confiant. Quand les politiques en Allemagne, les dirigeants politiques disent qu'on pourrait peut-être tenter de négocier à la faveur des premiers succès obtenus, il rejette tout à fait cette hypothèse en expliquant qu'il est en mesure de pouvoir dicter la paix à l'entente. Et le secrétaire d'État Kuhlmann, qui était l'un des champions de cette volonté de négociation, va même, sous la pression de l'état-major, être remercié par l'empereur Guillaume II au début du mois de juillet. En attendant, Ludendorff veut aligner son front en Champagne pour éviter justement d'éventuelles contre-offensives des Alliés. Et avant d'en finir en Flandre, il entend lancer le 15 juillet une nouvelle attaque dans ce secteur. Le temps commence à tourner puisque les divisions américaines maintenant arrivent à un rythme soutenu. Les Américains ont déjà été
engagé au printemps. Et au fur et à mesure que l'été va passer, ce sont des divisions entières qui vont pouvoir désormais venir renforcer le camp de l'Entente. Alors les Allemands préparent leur offensive du 15 juillet, qu'il se veut tout à fait décisive pour neutraliser pour un bon moment l'armée française. Mais là, il se trouve que le commandement français, à l'issue d'un coup de main audacieux, va bénéficier de renseignements particulièrement précieux concernant les préparatifs de l'attaque et va pouvoir réagir en conséquence. Hein. Foch et Pétain vont prévoir une manœuvre défensive-offensive qui rappelle un peu, dans une certaine mesure, ce qu'avait été celle de la Marne en 1914, c'est-à-dire qu'on va consentir à la perte de la première ligne de défense pour installer un butoir infranchissable sur la seconde et à ce moment-là lancer dans le flanc droit des unités allemandes une contre-offensive d'envergure. Tout se passe au début comme prévu dans les premières heures. Les Allemands s'emparent d'Épernay, mais dès le lendemain, dès le 16 juillet, Ludendorff comprend que la surprise est manquée. Et c'est encore plus évident le 18 juillet, quand à partir de la forêt de Villers-Cotterêts, où elle a pu se concentrer à l'abri, la 10e armée du général Mangin se lance dans le flanc droit de l'armée allemande, sur un front de 40 km qui est rapidement enfoncé. Après des combats acharnés, dès le 21 juillet, les Allemands sont contraints de se replier, et se replier sur la ligne de la Velle, entre Soissons et Reims, c'est-à-dire que à ce moment-là, il apparaît clairement que les Alliés, les Français, en l'occurrence l'armée française, a gagné ce que l'on a appelé parfois la deuxième bataille de la Marne. Le Grand Prince de Prusse, le fils de Guillaume II, lui, pense qu'il faut désormais négocier pour limiter les dégâts. Les militaires continuent à penser que tout reste possible. Ils pensent pouvoir retraiter en bon ordre et puis reprendre l'initiative pour être en mesure d'amener l'Allemagne à la négociation en position de force. Les Allemands, en effet, ont encore 205 divisions, plus qu'ils n'en avaient en mars, mais les troupes d'assaut, les fameuses Stosstruppen, qui ont joué un rôle essentiel au cours des mois précédents, ont été considérablement décimées et en quelque sorte usées. Du côté des Français, des Belges, des Anglais, des Italiens, on a 194 divisions en ligne, mais il faut ajouter déjà 20 divisions américaines et les autres vont arriver désormais à une cadence régulière jusqu'à la fin de l'année de 1918, alors que du côté allemand, on est obligé de dissoudre des divisions faute de pouvoir les renouveler. Les Allemands ont épuisé toutes les ressources disponibles sur le plan des effectifs. Le rapport de force, donc, est en train de basculer. Foch, à ce moment-là, prévoit une série de coups répétés qui doivent permettre d'ébranler le front allemand, de contraindre l'ennemi à la retraite, de libérer le bassin minier du Nord et un certain nombre de voies ferrées stratégiques. Hein. Il prévoit une série d'offensives pour la fin du mois de septembre, et auparavant, il lance une action d'envergure le 8 août dans le secteur de Montdidier. Là, le front allemand est complètement enfoncé et les Alliés vont reconquérir, à la faveur de ces combats, tout le terrain qui avait été perdu au printemps précédent. Pour Ludendorff, les choses sont claires. Le 8 août, c'est le jour de deuil de l'armée allemande. Il comprend ce jour-là que la guerre ne peut plus être gagnée. Foch, promu maréchal entre-temps, le 7 août, a donc prévu, je l'ai dit, trois grandes offensives pour la fin du mois de septembre. Hein, une offensive en Argonne, entre Meuse et Argonne, dans laquelle les Américains prendront une part importante. Une offensive au nord de l'Oise contre la ligne Siegfried de défense allemande. Et puis une offensive en Flandre avec les Anglais en direction de Passchendaele et de Bruges. Et pour engager cet effort, eh bien, Foch dispose maintenant de 22 divisions américaines supplémentaires au moment où les Allemands sont obligés de dissoudre 14 unités de même format.
Et puis il y a ce qui se passe sur les autres fronts, qu'il ne faut pas oublier. Sur le front italien, l'Italie a relevé la tête après le désastre de Caporetto de l'année précédente, sous la direction du général Diaz, et se prépare à l'offensive contre les forces austro-hongroises, alors qu'à l'intérieur de la double monarchie, les forces centrifuges politiques au niveau des minorités nationales s'agitent beaucoup. En Orient, le général Allenby, qui s'est emparé de Jérusalem au mois de décembre précédent, prépare une offensive d'envergure contre la Syrie qui doit le mener jusqu'à Damas et qui va lui permettre de menacer directement l'Asie mineure ottomane. Enfin, dans les Balkans, l'armée d'Orient, concentrée initialement à Salonique, qui est passée sous les ordres du général Franchet-Desprez, l'armée d'Orient s'apprête, elle aussi, à lancer l'attaque. C'est fait le 15 septembre, la ligne bulgare du Dobropolier est enfoncée, le succès est complet. La cavalerie française de Juino-Gambetta pousse jusqu'à Ouskoub, très loin à l'intérieur des lignes bulgares, au point que le 26 septembre, les Bulgares demandent l'armistice qui sera conclu le 29. Voilà un allié perdu pour les centraux, et c'est le flanc sud de la monarchie austro-hongroise qui se trouve maintenant menacé. Le même jour, l'offensive se déclenche en Argonne, juste après l'offensive au nord contre la ligne Siegfried, et puis le 28 septembre, l'offensive prévue également en Flandre. Pendant ce temps, en Orient, les Turcs qui s'apprêtent à défendre tant bien que mal l'Asie mineure ont perdu toute la Syrie. L'armée d'Allenby et l'armée arabe de Laurence sont entrées dans Damas au début octobre et finalement, à l'initiative du nouveau ministre Hidzet Pacha, eh bien, les Turcs vont négocier l'armistice de Mudros le 30 octobre. Donc du côté de l'Orient, c'est la victoire aussi pour les forces alliées. Scénario comparable du côté italien. Le 24 octobre, les Italiens lancent l'offensive de Vittorio Veneto. Le front austro-hongrois est rompu. L'armée italienne avance victorieuse au-delà de la Piave. Et les Austro-Hongrois vont finalement accepter de conclure un armistice. L'empereur Charles sollicite un armistice qui sera conclu le 3 novembre à Villa Giusti, à côté de Padoue. Sur le front ouest, enfin, qui reste le plus important, là où se livre l'affrontement majeur, Hindenburg et Ludendorff ont compris que tout était perdu, que l'Allemagne n'avait plus les moyens militaires dans ce nouveau contexte de renverser la situation. Et dès le 29 septembre, ils vont informer l'empereur et le chancelier de leur impossibilité de poursuivre la lutte. Mauvaise surprise, évidemment, chez les politiques, parce que quelques mois plus tôt, il leur avait expliqué qu'on était encore en mesure de dicter les conditions de la paix aux Alliés. Alors à ce moment-là, les Allemands vont se tourner vers Wilson. Ils espèrent que le président américain sera plus compréhensif vis-à-vis d'eux que les Français ou les Anglais, surtout que le Français Clémenceau. Mais Wilson va très vite dissiper les illusions que les dirigeants allemands pouvaient entretenir par des notes des 14 et 23 octobre, il explique qu'un armistice doit faire en sorte que l'Allemagne ne soit pas en mesure de reprendre le combat. Et en plus, surtout, il explique que les États-Unis et leurs associés n'accepteront de négocier qu'avec des représentants authentiques du peuple allemand. Pour Wilson, c'est une manière de rejeter ce qu'il appelait la clique féodale et militaire allemande. C'est un appel indirect à une révolution en Allemagne qui interviendra à partir du 9 novembre. On peut le dire, à ce moment-là, les choses sont entendues, la victoire est maintenant certaine, cela va nous amener vers l'armistice du 11 novembre. C'est un épisode sur lequel nous reviendrons dans quelques semaines. Je vais vous parler une nouvelle fois d'un personnage haut en couleur, oublié de nos livres d'histoire. Il s'agit de Thérèse Figuer, dragon dans l'armée de Napoléon.
Vous savez sans doute que de nombreuses femmes suivaient les armées de l'empereur. Les célèbres cantinières, des femmes qui voulaient être avec leur mari ou leur compagnon, des prostituées. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il y avait aussi plus d'une femme combattante, évidemment habillée en homme. Elles sont de toutes les campagnes et beaucoup ont écrit leurs mémoires quand elles ont survécu à l'épopée impériale. C'est le cas de Thérèse Figuer. Thérèse est née le 17 janvier 1774 à Talmay en Bourgogne. Sa mère mourant à sa naissance, Thérèse est élevée par son père tout d'abord, qui est meunier et commerçant. À 9 ans, c'est son père qui meurt à son tour et elle est recueillie par son oncle maternel qui est officier de l'armée du roi. Au début des événements révolutionnaires, les idées de Thérèse penchent tout d'abord pour la cause royaliste. Son cœur, quant à lui, va à son ami d'enfance qui est engagé chez les gardes suisses. Après le massacre des Tuileries, en août 92, Thérèse croit son ami mort et décide sans doute pour le venger de rejoindre une batterie d'artillerie fédéraliste commandée par son oncle. Les premiers combats de Thérèse sont contre les républicains. Les fédéralistes sont défaits, Thérèse sauve sa tête, mais elle a 19 ans et n'a pas très envie de retourner travailler chez un drapier à Avignon. Et elle voit que le monde bouge autour d'elle, elle a soif d'aventure. Son oncle intelligent, plutôt de combattre la nature de sa nièce, préfère aider Thérèse et lui suggère de s'engager comme cantinière dans la Légion des Allobroges, une unité militaire créée en 1792 pour défendre la frontière des Alpes. C'est là qu'elle va gagner son surnom de Madame Sans Gêne. Car oui, la véritable Madame Sans Gêne, c'est elle, la première, la vraie. Le surnom fut attribué à la maréchale Lefebvre, mais il le fut ultérieurement par la création de la célèbre pièce de théâtre de Victorien Sardou, pièce dont l'histoire s'est inspirée de la vie de Thérèse Figuer. Ce surnom lui fut donné pour son courage, en raison de sa nature solide, en raison de sa vie aventureuse, mais surtout en raison de son franc-parler. Car si Thérèse est décrite comme une jolie jeune femme, joyeuse, drôle, aimant la plaisanterie, elle est aussi connue pour son fort caractère et son verbe haut. Passée au 9e puis au 15e dragon, Thérèse rejoint Toulon occupée par les Anglais et assiégée par les Français. Nous sommes entre septembre et décembre 93. Elle y fait la connaissance d'un certain Bonaparte, qui n'est encore qu'un simple capitaine. Comme cavalier, elle est affectée aux dépêches. Les officiers la choient, la conviant à leur table et partageant souvent leur repas avec elle. Un jour, Bonaparte la punit en la mettant de garde car il considère qu'elle a mis trop de temps à porter une dépêche, 25 minutes de plus que prévu. Thérèse s'insurge devant une punition qu'elle considère comme injuste et lance à Bonaparte, devant les autres officiers, qu'il est laid et a l'air d'un vrai moricaud. Il paraît que Bonaparte éclata de rire et qu'il ne lui en garda pas rancune, d'autant plus que peu après, Thérèse apporta sous le feu ennemi des cartouches aux soldats de la redoute des Deux Moulins, faisant preuve d'un très grand courage, ce qui évidemment plut énormément à Bonaparte. Elle repart de Toulon avec sa première blessure, elle a reçu une balle dans le sein gauche. Le 4 avril 1794, Thérèse est affectée dans les Pyrénées à l'ancien régiment des dragons de Noailles qui essaie de contenir les Espagnols. C'est là que sur la route de Gironde, elle tue à coups de sabre un Espagnol qui l'avait pris pour cible et fait deux prisonniers qu'elle apporte au commandement, qu'elle emmène au commandement. C'est alors qu'arrive un ordre du comité de salut public. Plus aucune femme dans les armées. On considère qu'elles sont trop nombreuses et qu'elles ralentissent et gênent la progression des soldats. Qu'à cela ne tienne, le commandement fait une exception pour Thérèse, c'est un trop bon élément. Peu après, au combat de la Fonderie, pourtant poursuivie par l'ennemi, elle trouve le général Noguès laissé pour mort, grièvement blessé à la tête, et le charge sur son cheval, lui sauvant ainsi la vie. Ensuite, au passage d'un torrent, elle se précipite pour sauver plusieurs soldats du 17e, blessés et entraînés par le courant, qui allait se noyer. À Figueras, son cheval est tué sous elle, son sabre brisé. Elle demande au général Augereau de lui prêter ses propres armes pour retourner au combat. Le général Augereau écrira à son propos qu'elle a fait sous mes ordres la guerre des Pyrénées-Orientales avec bravoure et distinction, que dans plus d'une occasion, elle a donné des preuves d'un courage au-dessus de son sexe. Il n'est pas le seul. D'autres généraux, maréchaux, comme le maréchal Lannes, témoigneront des qualités et de l'estime qu'il portait à la petite Sans Gêne. Son courage lui vaut d'être nommé brigadier, ce qu'elle refuse, considérant qu'il est déjà suffisamment difficile d'obéir pour devoir commander aux autres. Pendant cette campagne, elle a encore un cheval tué et un second blessé. Thérèse est toujours au feu.
Ensuite, voilà la campagne des gîtes qui débute. Dérès doit rejoindre le 15e dragon, mais elle est réaffectée au 9e dragon en Italie. Aux environs de Lodi, elle joue encore le rôle de bon ange pour un carabinier dont la jambe a été fracturée pendant les combats. Elle le charge sur son cheval et le conduit à l'hôpital. Mais sur le chemin de retour, elle est faite prisonnière par des soldats autrichiens qui l'enferment dans un corps de garde. Thérèse ne perd pas ses moyens et réussit très vite à s'évader. Le 4 novembre 1799, on la retrouve à la bataille de Savigliano. Elle y reçoit 4 coups de sabre et est faite prisonnière à nouveau. Cette fois-ci, l'affaire manque de tourner mal pour Thérèse, car enfermée avec 200 autres captifs, elle entend les cris d'une foule de paysans surexcités qui veut brûler la sorcière, la femme soldat. Une femme soldat, cela ne peut être que l'œuvre du malin. Heureusement, avec la complicité des autres prisonniers, elle se déguise en vivandière et échappe au lynchage. Quelques jours plus tard, à l'occasion d'une promenade autorisée pour les prisonniers, elle est reconnue par un compatriote bourguignon qui sert le prince Charles de Ligne, maréchal de l'armée autrichienne. Apprenant l'identité du singulier soldat, le prince Charles veut la rencontrer et Thérèse lui raconte son histoire. Le prince la montre alors à son entourage et déclare « Connaissez-vous rien de semblable, une femme? Il n'y a pour une telle chose que ces diables de Français. » Peu après, Thérèse est libérée après avoir été dépouillée de tous ses effets personnels par les soldats et ni chargée de la conduire jusqu'à l'avant-poste français. Elle est libre mais en piteux état, souffrante, épuisée. Elle est contrainte de demander un congé et une pension. On lui accorde bien volontiers. Pour récompense de sa conduite distinguée aux armées des Pyrénées-Orientales et d'Italie, 200 francs par an, le 16 septembre 1800, expression du brevet délivré par Bonaparte. Thérèse a alors 26 ans. Pourtant, ses aventures ne sont pas finies. Après 10 mois de repos à Chalon-sur-Marne, Thérèse se réengage au 9e dragon, commandé par le colonel Horace Sébastiani. Elle est accueillie avec chaleur, reçue à la table des officiers, et le colonel annonce au régiment le retour de Madame sans gêne. Elle est peu après présentée à la femme du premier consul. Elle arrive en grand uniforme sur un cheval fougueux au château de Saint-Cloud. Les commentaires vont bon train, mais ils sont plutôt admiratifs. C'est là que Thérèse croise un nouveau Bonaparte qui a fait du chemin depuis le siège de Toulon. Il l'apostrophe. « Alors, monsieur Sans-Gêne, suis-je toujours aussi laid et méritais-je encore le sobriquet de Moricaud ?» La Sans-Gêne répond. « Puisque le général a bonne mémoire, il n'aura pas oublié qu'au siège de Toulon, j'ai supporté des cartouches. » Bonaparte répond à son tour. « Certes, mademoiselle Figuer est un brave. » Dès après cette rencontre, Napoléon l'attache au service de sa femme Joséphine comme dame de compagnie. Vous imaginez bien que malgré l'honneur qui lui est fait, Thérèse ne se fie pas du tout aux ors des salons. Elle tint 10 jours et rejoint sans regret son 9e dragon. Elle gagne la Prusse avec son régiment et Thérèse est sous les murs d'Ulm, puis à Iéna. Elle est de ceux aussi qui verront briller le soleil d'Austerlitz le 2 décembre 1805 où on la voit chargée, pistolet et sabre au poing. Elle regagne la France pour un repos forcé de 18 mois. Les combats et un accident de cheval sur la route ont en effet altéré sa santé. Mais dès qu'elle le peut, elle rejoint l'Espagne où elle contribue à maintenir les communications entre les Français de Valladolid et de Vitoria. Malheureusement, à la fin de 1812, lors d'une promenade imprudente, elle tombe aux mains d'une bande qui la conduit à Lisbonne, d'où elle est envoyée en Angleterre, où elle est internée comme prisonnier de guerre à Boulderwood. Elle ne revient en France qu'en 1814. Si sa carrière militaire est finie, lors des 100 jours, elle n'hésite pas à remettre son uniforme de chasseur et assiste à une revue où l'empereur la reconnaît. Thérèse Figuer avait toujours craint de perdre sa liberté et n'avait jamais voulu accepter les propositions de mariage qu'on lui avait faites. Pourtant, elle finit par épouser son ami d'enfance, le fameux Clément Sutter, l'ancien garde suisse qu'elle avait cru mort. Elle a 44 ans, on la dit encore belle, avec une jolie taille. Ils tiennent tous deux une petite auberge à Paris, fréquentée par tous les anciens de la Grande Armée. Ils vivront ainsi 11 ans, puis Clément meurt, laissant Thérèse seule. La fin de sa vie est plutôt triste. Comme de nombreux vétérans de l'armée impériale, elle meurt pauvre à l'hospice le 4 janvier 1861, à 87 ans. Elle a pu écrire ses mémoires, qui sont publiées en 1842 sous le titre de « Les campagnes de mademoiselle Thérèse Figuer ». Aujourd'hui, à Talmay, près de Dijon, vous pouvez aller voir la maison natale de la petite Sans-Gêne. Une plaque commémorative est apposée sur l'édifice. Je voulais pour finir vous lire la recommandation du maire du 11e arrondissement pour l'obtention du lit à l'hospice des petits ménages en 1839, à propos donc de Thérèse Figuer, dite le dragon sans gêne. Compte 22 ans de service militaire depuis 1793, a été 2 fois prisonnière, a reçu 5 blessures après avoir eu plusieurs chevaux tués sous elle et sauvé la vie à un général et à des soldats, et sans pension, et se trouve sans ressources. Aurait droit aux invalides si elle était un homme.